Les gars, ça faisait un bail. Attends, ok, juste entre nous, ce truc là, c'est éclaté. Tu vois, alors moi je voulais acheter, tu vois, le bail où genre ça se déploie comme ça. Il y avait pas un magasin, il me passe un vieux plumeau comme ça. 3, 2, 1. Hein? Mais c'est comme ça. Comment ça fonctionne? C'est génial, putain, maintenant c'est... Mais quel bordel! Ok, actuellement, mon studio, c'est absolument génial, et ça, genre, c'est un code que je mets, comme ça, genre, j'ai un meilleur son. On s'en bat les couilles! Waouh! T'as même, genre, dans ma canette, c'est nickel. Bon, et ben, ça va être sympa à tout ramasser, hein? Mais regardez-moi ça! Bon, ok, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, comment ça va? Putain, ça faisait un bail que j'avais pas tourné de vidéo. On est actuellement mi-janvier. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année, même si, genre, je viens avec 3 semaines de retard. Ok, alors dans cette vidéo, je me suis dit, ça pouvait être sympa, en fait, de vous expliquer les fails que j'ai eu quand je faisais de la magie. Alors que ce soit à des personnes ou bien, genre, à des concours, parce que j'ai fait les concours étant jeune. Alors maintenant, j'en fais plus, mais avant, en tout cas, quand j'avais, genre, 14 ans, j'en faisais, genre, de 14 à mes 16 ans. Et franchement, il y a des trucs, mais genre, c'est épique. Alors, je vais raconter une anecdote qui s'est passée, donc, à une soirée il y a un peu plus de 4 ans. Et une deuxième anecdote, où là c'était lors de mon tout premier concours de magie et j'avais 14 piges. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai un fucking concept à vous proposer. En gros, je vous explique. Balancez à balles en commentaire des villes d'Europe. Alors ça peut être n'importe quoi. Tu peux me taper un Angers comme tu peux me taper un Lisbonne, tu vois. Enfin, vous pouvez me dire quelques villes d'Europe, sauf évidemment la Belgique. Parce que je vous explique le concept. En gros, putain, non, putain, cette intro est super longue. Alors je vais passer 24 heures dans une ville que je vais piocher au hasard dans les commentaires. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Évidemment, je vais tout filmer. Je vais filmer mon arrivée, l'hôtel, les sorties, qu'est-ce que je vais visiter, etc. Sur ce, on est parti avec la première anecdote. Alors la première anecdote, ça c'était à une soirée, c'était il y a 4 ans. Il y avait l'ex d'un pote à moi qui fêtait son anniversaire. Elle avait invité tous ses potes. Alors je sais, gros, que tu regardes ces vidéos. Je veux que tu mettes en commentaire: c'est moi le type dont on parle. Donc là, on était à une soirée. Moi, j'avais pris 0 carte. Et donc, t'avais 2 groupes de personnes. D'abord, t'avais mon groupe de potes. Donc, avec mon pote. Mon... Putain, les gars, en fait, je suis en train de m'embrouiller de fou. Je vais mettre des noms. Disons que mon pote s'appelle Paul. Pourquoi Paul? J'en sais rien. Et son ex s'appelait Brittany. Genre, les gars, genre, Brittany, genre, ça me fait triper ce nom, quoi. Donc, on arrive. Et là, évidemment, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise: ah, mais lui, il fait de la magie. Mais les potes de Brittany ne me connaissent pas. Donc, évidemment, ils sont en mode: oh putain, il fait un truc de magie, trop stylé. On va lui demander s'il peut nous en faire un. Donc, ils viennent comme ça, ils me demandent: ouais, t'es chaud de me faire un truc de magie et tout. Sauf que moi, j'avais aucune carte. Et en fait, la vérité, genre, quand je vais à une soirée ou quoi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, ça me saoule. Quand j'arrive directement crescendo, tu me fais: ah, tu me fais un tour. Alors que... enfin, gros, déjà, bonjour, hein, ensuite, enchanté, moi, c'est Jacques. Et donc, voilà, évidemment, genre, je lui ai dit: écoute, je te fais un tour, mais juste plus tard, je vais t'en faire un plus tard, là, pour l'instant, j'ai envie de chiller la soirée, etc. Il est actuellement 20h, on commence, évidemment, en soirée, à boire, on a, mais, picolé, mais, comme des trous. Évidemment, les gars, hein, très important, un message de prévention: il faut boire avec modération. Mais surtout avec vos potes. Donc on commence à boire, on commence à fumer, enfin genre on était, mais tous on était quand même bien éclatés. Et je me rappelle très bien, il était plus ou moins 2h du matin. Donc s'ensuit 6h de déglingue. Et puis là t'as en un coup, donc en fait t'avais tout mon groupe de potes, on était tous dehors. En un coup t'as tout le groupe de potes de Brittany qui sort, ils sont devant moi et ils disent: on veut un tour. Et moi j'étais mais fracasse. Mais vu que j'avais dit que genre j'allais faire un tour, je pouvais pas dire non, tu vois. J'ai fait pas de soucis, mais j'aurais dit juste: les gars, moi j'ai pas mes cartes. Et vraiment ça c'est un truc, je déteste faire un tour de magie si j'ai pas mes cartes, dans le sens où si tu passes un jeu de cartes, ça me saoule parce que genre c'est pas vraiment mon matériel, tu vois. Enfin genre c'est comme si genre tu fais genre tu je sais pas genre tu... oh là là, le gars qui n'a aucun exemple. Ok, tu fais du cheval, on te demande de faire un tour, mais sauf que genre c'est pas ton cheval, donc t'es pas vraiment habitué, tu vois ce que je veux dire. Je me dis: ok, mais juste il me faut les cartes. Il me passe des cartes, évidemment les cartes claquaient au sol, mais bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour automatique. Alors je vais expliquer ce que c'est qu'un tour automatique. C'est hyper simple. En fait c'est un tour qui faisait sur des maths et tu peux pas te foirer. C'est impossible, c'est impossible, tu peux pas, tu vois. Et donc t'avais tous mes potes et tous les potes de Brittany qui étaient devant moi. On était genre, les gars, ils étaient 20 devant moi, la pression les gars. Et donc on commence le tour qui s'appelle, si vous êtes magicien, je sais pas si vous connaissez, genre le tour cache-cache. C'est un tour hyper simple, tu vois, mais genre vraiment je voulais pas me prendre la tête. Je me suis dit: j'ai pas envie de commencer à faire des manipulations et tout, genre j'ai juste faire un tour très très simple, bateau. Comment ça se passe au tour? C'est: j'ai 2 paquets de 15 cartes, une personne prend un paquet, moi l'autre, et en fait on cut le jeu en deux, puis ensuite une personne choisit une carte au hasard dans les cartes restantes, il la regarde, il la pose sur un de mes 2 paquets, ensuite elle met un de ses 2 paquets sur le paquet où il y a sa carte, ensuite moi je choisis une carte et je la mets face visible sur son paquet, je mets l'autre paquet dessus, et là en fait le but c'est vraiment que en fait ma carte retrouve la sienne en divisant le jeu en deux, et en fait le paquet où il y a ma carte face visible, ça veut dire que concrètement ben, ta carte à elle se trouve forcément dans le paquet.
Tu vois, genre c'est aussi simple que ça. Et donc en fait, ça s'appelle vraiment cache-cache parce que genre ma carte retrouve sa carte tout simplement. Et là, donc il reste ma carte face visible et une carte face cachée. Alors les gars, c'est pas possible de soirée. Et donc je lui dis comme ça. Et donc c'est quoi ta carte? Elle lui dit par exemple, je sais pas, genre dame de cœur. Ok, et la carte qui est cachée, c'est. Et puis là, je retourne et je vois genre un 6 de pique et je suis en mode. Yes. Et c'était, les gars, c'était très très gênant. En gros, dites-vous bien que j'ai raté, éclaté un tour automatique, un tour basé sur des maths, tu peux pas te foirer. Et je l'ai raté devant 20 personnes. Et genre, les gars, après, genre, moi, je voulais me cacher, les gars. Genre, moi, je me suis dit, c'est tout. Genre, je voulais genre, vraiment me tailler, les gars. Bisous, au revoir. Et en plus, le pire, c'est que j'ai même pas refait un deuxième tour. Je suis arrêté sur cet échec. Vraiment, je me suis dit, Jacques, t'enfonce pas plus, tu vois. Alors là, t'as déjà bien creusé. Genre, reste dans ton trou, cache-toi, calme-toi. Et c'est tout, tu vois. Sur le moment, c'était hyper gênant. J'étais vraiment, genre, pas bien. Parce que, genre, je déteste rater les tours. Enfin, ce qui est logique, tu vois. Bon, là, maintenant, on va passer à la deuxième anecdote. Donc il faut savoir que avant je faisais des concours de magie. J'étais jamais monté sur scène et donc j'ai commencé à regarder un peu donc, les concours qu'il y avait etc en Belgique. Et je vois un concours qui se passe en Flandre qui est Maca Magie. Quand j'avais 14 ans, je me dis tout, je vais m'inscrire. Mais comme je l'ai dit, genre j'avais jamais fait ça. Au départ j'étais pas du tout stressé. Les gars, quand je suis arrivé sur le lieu, j'étais en train de me chier dessus. J'étais mais les gars, genre j'ai juste pas envie de le faire. Et je me dis écoute Jacques, t'as 14 ans, t'es encore puceau, prends tes couilles à deux mains et tu fonces et tu donnes tout, tu vois. Je me suis dit on va faire ça. Donc je vais vous montrer parce que le truc c'est que genre là mon père il a filmé le numéro, papa tu m'envoies la vidéo et on va regarder ça ensemble. C'est parti les gars, vous êtes pas prêts. Bon alors vraiment sorry aussi pour la qualité de l'image, c'est filmé il y a des années et donc la qualité elle est un peu éclatée. Voilà, donc là ça il parle en flamand, je comprends R à ce qu'il dit. Ok. Attends, est-ce que t'entends ça? Ça c'est mon père qui filme, il vient pour m'encourager. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il relive comme un gros porc sous de ma gueule, tu vois. Parce qu'en fait le truc c'est que là si vous avez vu, donc là t'as mon ruban de chapeau. De base il devait tenir, quand les rideaux sont ouverts, mon ruban a fait foot. Et mon père il le savait que ça devait pas arriver, tu vois. Merci papa pour le soutien, je t'aime. Vas-y, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu branles, Jacques? Tu fous quoi? Là, le truc que j'avais en main, en fait, genre, c'est du papier flash. Et en gros, tu le brûles. Et en fait, ça fait une petite flamme comme ça pour faire apparaître un objet, tu vois. Donc, déjà, t'as le ruban. Il fait sa vie. Hop, il part. Je le remets. Je prends du papier. Je veux l'allumer. Moi qui t'ai en stressé, j'étais comme ça, toi, en mode Parkinson. Le truc, paf, il tombe. J'étais, mais putain, mais. Alors là les gars, je vous explique. En gros, moi quand je m'entraînais à mon numéro, je le faisais dans mon garage, mais genre dans mon garage, genre c'est du carrelage, tu vois. Mais moi j'utilisais genre des balles creuses et donc quand j'allâchais, elles rebondissaient mais super bien. Sauf que moi, avant de monter sur scène, j'avais pas testé le sol. Donc j'arrive sur scène, je lance la balle et ça fait. Drop it. Incroyable. Mais regardez-moi. Attends, mais regarde-moi ça. Le gars, il finit un numéro. On est en concours, tu vois. Il finit son numéro. Les applaudissements, il s'en bat les couilles. À ce moment-là, non, la vérité, genre, à ce moment-là, genre, j'étais en mode écoutez, j'ai fait de la merde. Allez, salut, je me casse. Hein, ne retenez plus mon nom. Bon, franchement, genre, c'était trippant à regarder. Ça rappelle des fucking souvenirs, genre, c'est un truc de fou. Au moins, les gars, on vient tous de quelque part. Hein, on n'était pas tous bons directement, ok. La preuve en image, regardez bien ça. C'est éclaté. Genre, franchement, j'avais raté la moitié de mes trucs. Et attention, maintenant, je vais vous montrer la remise des prix. Als junior, op de derde plaats met een goed resultaat, Jacques Delfos. Dites-vous, à ce moment-là, j'étais en mode, attends, donc je t'ai fait ce numéro-là et je suis troisième. Dès qu'ils ont eu pitié, tu vois, ils sont dit, bon, c'est tout, écoute, t'as fait de la merde, mais t'as 14 ans, on te supporte, t'as le troisième prix. Regardez-moi ce vainqueur qui monte sur scène et qui serre la main de tout le monde. Regardez, hein, je m'en bats les couilles de ce qu'il dit. Genre, de 1, je comprends pas ce qu'il dit. Et de 2, moi je tape Cosette là avec je sais pas trop qui là, en mode qu'est-ce que je fais avec mon prix là. Enfin, je l'ai montré ou pas? De presse. Ça me tue. Tu vois bien que je suis pas du tout à l'aise. Genre, le gars, il sait pas ce qu'il fait. Genre, mais moi à ce moment-là, je comprenais pas. Hein, je comprenais pas. Je suis en mode vous êtes sûr, genre c'est moi? Genre, c'est pas lui à gauche. Genre, c'est pas Benoît Magicien. Et en plus, on peut admirer aussi ma tête flottante. La couleur de mon t-shirt, c'est la couleur des rideaux derrière. Da
waar hebben we. Ah, c'est ça quoi. Le gars, il s'en bat les couilles. Genre, le gars à droite, il est tout en mode. Voilà, je suis là et tout. J'ai eu un prix. Moi, je suis là, j'ai mis le trophée. Oh putain, sympa et tout. Troisième. Ok. Putain, franchement, c'était un pur kiff de revoir tout ça. Genre, putain, les souvenirs. J'avais 14 piges. Genre, j'avais la coupe à Justin. Genre, ça ressemble à rien. Tout ça pour vous dire, si vous avez un objectif, même si vous foirez directement depuis le début, les gars, continuez, lâchez rien et foncez, travaillez, les gars. Bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous kiffez donc ce genre de concept où genre je vous raconte quelques anecdotes sur ma vie, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou en commentaire. Dites-moi surtout en commentaire, les gars, les villes européennes où vous voulez que j'aille. Et rendez-vous dans 2 semaines pour le résultat. Est-ce que j'ai encore un truc à dire? Non. Sur ce, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne journée. Et puis voilà, moi par contre, j'ai recherché un coca parce que avec des confettis, c'est pas fou. Ciao.